Fais-je à force, se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Custom. Aujourd'hui, un custom Ninjago. Tout ce qu'il y a de plus basique, au final, j'ai dit Crystallized, mais en fait, pas vraiment. Je veux dire, il apparaît dans Crystallized comme tous les autres saisons. C'est tout simplement le capitaine Soto, voilà, qui est revenu dans la saison 2 et qui, depuis, revient dans pas mal d'épisodes. Et en fait, bah, il se trouve qu'on avait juste le chapeau et la tête. On n'avait pas réellement sa tenue de pirate. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Et comme vous avez vu, un de mes anciens hauls, pas les tout premiers de la chaîne, mais un petit peu qui date un petit peu, de quelques mois notamment, pendant août, je crois, j'avais fait une petite brocante juste avant la rentrée des classes. Et j'avais trouvé une figurine très rare d'un pirate, qu'on peut notamment retrouver dans le jeu Lego Legacy Heroes Unboxed. Et il se trouve que du coup j'ai réutilisé ce torse, non pas pour un mock du jeu vidéo, même si je pourrais, mais surtout pour Captain Soto. Donc voilà, vous savez d'où ça vient. Donc, les jambes ça va, le torse est bon. Ça juste d'abord c'est censé être en rouge, mais bonne partie de son costume c'est censé être en rouge. Là donc là il n'y a rien, donc je ne sais pas si je refais ça. Aussi, si j'ai rien mis, c'est pas parce que j'ai la flemme, même si un petit peu. C'est juste parce que dans la saison 2, si vous vous souvenez, il se fait couper la plume aussi. Voilà, mais je crois qu'ils l'ont remise après. Bon, c'est complètement débile. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Je pense que vous avez compris. Après, très franchement, je pense que vous pouvez utiliser n'importe quel torse de pirate. Ça marche très bien aussi. Hein. Mais bon, voilà, je voulais quand même vous le présenter. Ce mythe d'horreur, bon, c'est peut-être un personnage qui, pour vous, ne vous a pas marqué. N'empêche que pour ceux qui regardent Ninjago depuis la première heure, Soto est l'un des premiers ennemis qui a fait apparaître Carmador avec la meilleure arme. Donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à laquelle vous pourrez penser. Et voilà, bah, du coup, c'était Absédé. Au revoir, plus qui vous dit bye.